Bonjour à tout le monde. Bienvenue au séminaire de l'USN, qui a été converti en webinaire de l'Observatoire par la présidence et la vice-présidence de l'Observatoire. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Rodriguez. Sébastien Rodriguez est maître de conférence à l'Université de Paris. Il est membre de l'Institut de physique du globe et travaille dans l'équipe de planétologie et sciences spatiales. Alors, il travaille sur la géologie et le climat de Titan, donc la plus grosse lune glacée de Saturne. Titan a une atmosphère épaisse, donc pleine d'hydrocarbures, et un cycle climatique donc, qui ressemble au cycle hydrologique terrestre. Et Sébastien travaille sur la composition et la géomorphologie de Titan, le lien entre la surface d'une lac rivière et sa météorologie, les nuages, les tempêtes, les vents, et son climat. Il va nous parler de nombreuses questions là-dessus. Et sur la couverture nuageuse globale de Titan, l'origine de ces lacs polaires et de ces chambres d'une équatoriale, et l'analogie avec la géologie et le climat de la Terre et de Mars. Donc le séminaire va commencer à 11h05 tapante, hein, le temps pour tout le monde d'arriver. Il va durer 45 minutes. Pour passer le temps, je vous ai mis un lien avec donc publicitaire sur les séminaires de l'USN, hein, qui continueront à être transformés en webinaire. Au fur et à mesure, enfin, tant que le confinement durera et qu'on pourra le faire. Je vous demande évidemment à tous de couper votre micro et votre vidéo. Bon, ne dessinez pas de moustache sur les diapos, mais ça, c'est les enfants qui ont fait ça pour le séminaire d'Alain Doré-Soundiram. Hein, vous êtes grands, donc il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Non, d'accord. Merci Sébastien, mais néanmoins, je crois que les Ça peut moustaches. occuper les enfants, on sait très bien. D'accord. Donc, vous avez la possibilité donc, de lever la main. Vous avez ça quand vous cliquez sur participants. Vous avez une fenêtre qui apparaît à droite de l'écran et vous avez la possibilité en cliquant sur un petit lien de lever la main. Et alors, du coup, ça apparaît chez moi et donc je peux vous donner la parole ensuite. Alors, de préférence, les questions sont à la fin. Néanmoins, Sébastien n'est pas opposé à ce qu'il y ait des questions en cours de séminaire si besoin. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous en avez besoin. Et je passerai la parole. Et enfin, je vous rappelle que, comme la dernière fois, donc le séminaire est enregistré hein, sur le cloud et ensuite il sera mis à disposition sur YouTube et par la direction de la communication de l'Observatoire. Voilà. Mais que ça ne vous arrête pas pour poser plein de questions. Bon, eh bien, Sébastien, je te passe la parole et donc à toi de jouer. Merci beaucoup Philippe. Bah, tout d'abord, merci à Stéphane Corbel et puis donc à toi Philippe de m'avoir proposé de faire ce séminaire à l'USN. Ça promettait une belle visite de l'Observatoire. À l'époque, on en avait discuté. Bon, les circonstances sont différentes et j'espère que l'invitation de visiter l'Observatoire de Nancy tient toujours Elle tient toujours. et que j'aurai l'occasion de venir vous voir. Donc, merci à vous de m'avoir proposé de faire ce séminaire donc, pour l'USN élargi à l'Observatoire de Paris. Et merci à vous tous d'avoir pris un peu de temps sur votre temps de confinement pour m'écouter. Donc, l'idée de ce séminaire, c'est de vous parler de la géologie, de la climatologie qui est vraiment au cœur donc l'étude de ces deux aspects de la plus grosse lune de Saturne sont au cœur de nos projets de recherche. Les miens et ceux de mon équipe. Et donc, étant donné le temps de parole qui m'est imparti et le fait que je peux être à certaines occasions assez bavard, j'ai finalement choisi de réduire un petit peu tous ces aspects-là sur un exemple que je trouve assez marquant de la ceinture équatoriale de Titan. Donc, pour commencer, une introduction extrêmement générale, peut-être trop générale pour la plupart d'entre vous, mais il faut bien commencer quelque part. Donc, voici donc une image de notre système solaire, les 8 planètes principales, et vous voyez que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va voyager jusqu'à Saturne. On est à peu près à 1,4 milliard de kilomètres du Soleil. Et puis, bon, voilà pour les principales caractéristiques de Saturne. Saturne met une trentaine d'années pour faire le tour du Soleil. Son axe de rotation est incliné d'environ 27 degrés par rapport à l'axe de l'écliptique, qui est l'axe moyen de rotation des planètes autour du Soleil.
Et donc, Saturne, c'est important parce que Saturne, ses anneaux et également tous les satellites qui orbitent dans son plan équatorial connaissent des saisons. Alors, c'est un petit peu particulier, c'est un peu plus lent que ce que l'on a l'habitude de connaître sur Terre, puisque chaque saison sur Saturne et dans son environnement dure près de 7 ans. Et puis, Saturne est une planète géante gazeuse, un puits gravitationnel qui est accompagné de plus, à notre connaissance aujourd'hui, de plus de 60 lunes naturelles. Donc voilà un petit panorama de toutes les lunes, des principales lunes de notre système solaire. On connaît très bien la nôtre, qui s'appelle la Lune, justement, pour la Terre, Phobos et Deimos pour Mars. Et puis, au-delà de ce que l'on appelle, entre Mars et Jupiter, la ligne des glaces dans notre système solaire, eh bien, on trouve des satellites principalement composés de glace d'eau. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail de la rationalité de ce fait-là. Je n'aurai pas le temps. Mais le fait est, c'est que les satellites qui orbitent autour des planètes géantes gazeuses et glacées, donc dans le système solaire externe, assez loin du Soleil, sont principalement composés de roches et de glace, et de glace d'eau. Et pour Saturne, donc, il y a un petit portrait de famille des principaux satellites de Saturne, ils n'y sont pas tous, loin de là. On voit Titan, dont on va parler aujourd'hui. Alors, justement, un portrait de famille du système de Saturne. On voit une très, très belle image de Saturne ici, puis donc, reporter en dessous de Saturne les principaux satellites. On voit que de tous les satellites de Saturne, Titan, déjà, sort un tout petit peu de l'ordinaire. C'est le seul à présenter une atmosphère. On reviendra sur cet aspect un peu plus en détail. Et évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est que de très très loin, donc ce sont les plus gros satellites de Saturne qui sont indiqués ici, qui sont montrés ici. Et de très très loin, Titan est le plus gros satellite de la famille des satellites de glace de Saturne. Et c'est en réalité le deuxième plus gros satellite de tout le système solaire. On a même très longtemps cru, avant de comprendre que ce que l'on observait, c'était le rayon de son atmosphère et pas le rayon de sa surface, on a très, très longtemps cru que Titan était le plus gros satellite de tout le système solaire. Donc voilà, ces deux particularités. À noter également, juste pour revenir encore sur cette question de la taille de Titan, c'est que Titan est juste un tout petit peu plus petit que Mars. Donc voilà, Titan est un satellite exotique, particulier, atypique dans le système solaire, un gros satellite de taille planétaire avec une atmosphère qui est loin d'être négligeable, dont la densité et l'épaisseur est loin d'être négligeable. Donc, ça fait un satellite tout à fait unique dans notre système solaire. Alors, on peut le comparer. Donc là, les tailles relatives entre la Terre et Titan sont respectées. Et ce que l'on peut dire, pour résumer, avant de rentrer un peu plus dans le détail de mon sujet de séminaire, on peut dire Titan, c'est un corps qui est analogue à la Terre dans un environnement exotique. Ça le définit assez bien. Donc, comme je vous le disais, c'est le seul satellite avec une atmosphère dense. Vous voyez son rayon ici, un peu moins de 3000 km par rapport au rayon de la Terre qui fait 6000 km. Donc, moitié plus petit. Et une atmosphère substantielle, comme je vous le disais, puisqu'à la surface de Titan, on a 1,5 bar d'atmosphère comparé à la Terre avec le bar de référence. Une atmosphère composée essentiellement d'azote, comme sur Terre. Des petites différences, cela dit, donc déjà une différence de taille, une différence de composition moyenne, puisque la Terre est essentiellement composée de roches, et Titan est composé, on pense, à moitié de roches et de glace d'eau. Et puis, surtout, vu la distance à laquelle se trouve Titan du Soleil, c'est sa température, il fait moins 180 degrés Celsius à la surface de Titan, et donc une composition chimique à la surface et de l'atmosphère légèrement différente. Le deuxième élément majeur, et on verra que ça a une importance, c'est une importance fondamentale pour la chimie et la physique des processus qui ont lieu dans l'atmosphère et la surface de Titan. C'est le deuxième élément le plus abondant. Ce n'est pas l'oxygène, comme sur Terre, mais l'hydrocarbure le plus volatile, qui est le méthane. Donc, Titan, quand on parle de ce méthane-là,
Deuxième caractéristique fondamentale de Titan et tout à fait exotique, c'est que Titan connaît un cycle climatologique très actif. C'est un cycle du méthane qui est en tout point analogue au cycle de l'eau sur Terre, puisqu'on peut y voir la formation de nuages de méthane. Il peut pleuvoir du méthane et on voit la formation en surface d'unités géologiques qui sont liées justement à cette climatologie, à ce cycle du méthane, comme des lacs, des mers, des étendues liquides, donc stables à la surface de Titan, ce qui en fait le seul corps avec la Terre à posséder des étendues liquides stables à sa surface, encore aujourd'hui, et donc qui boucle le cycle avec ensuite l'évaporation pour à nouveau former des nuages et pour donc entretenir ce cycle. Et lié et connecté assez fortement à ce cycle du méthane, on peut observer sur Titan des processus géologiques qui sont également en tout point analogues au processus terrestre. On y observe des dunes à l'équateur, des lacs au pôle, et tout ça, évidemment, connecté à la climatologie locale, savoir plus ou moins humide ou plus ou moins aride sur Titan. Et ça, ça fait écho, évidemment, à des paysages et à des processus que l'on connaît très, très bien sur Terre. Et la particularité de Titan, c'est que ça se passe encore aujourd'hui et qu'on peut l'étudier encore en détail aujourd'hui. Donc, ce sont les mêmes processus physiques, ce sont les mêmes équations physiques qui gouvernent, ce sont les mêmes processus physiques qui gouvernent ces processus-là, aussi bien climatique que géologique, mais dans un contexte tout à fait exotique et avec des matériaux un petit peu différents. C'est ce qui fait tout l'intérêt de l'étude de Titan aujourd'hui. Donc, tout cela a été observé. On a eu la chance donc, de vivre donc, l'âge d'or de l'observation de Titan avec l'envoi de la mission Cassini. Donc vous voyez un calendrier ici, donc des principales dates marquantes de la mission. C'est une mission en tout point remarquable, aussi bien par sa réussite technologique, scientifique, que par sa longévité. Et la plupart des grandes découvertes que l'on a faites sur Titan dernièrement ont été faites grâce aux données récoltées par cette mission spatiale. Donc, les grandes dates, ici, je vais vous les résumer. Il y a évidemment son lancement en octobre 1997, et puis son arrivée 7 ans plus tard dans l'environnement de Saturne, après 7 ans de voyage. Et puis, Cassini-Huygens, c'est un orbiteur Cassini qui va rester en orbite autour de Saturne et va régulièrement survoler Titan. Et puis, un atterrisseur, Huygens, qui va avoir une mission unique, mais extraordinaire. Donc, cette mission, elle s'est passée le 14 janvier 2005, qui était de traverser l'atmosphère de Titan, de l'observer, de récupérer des données d'observation, évidemment, in situ, dans l'atmosphère de Titan, et puis d'atterrir à la surface de Titan et d'essayer d'y survivre le plus longtemps possible, encore une fois, en essayant d'enregistrer le maximum de données et d'observations. Donc, cette mission a été un succès extraordinaire, et c'est à ce jour la sonde la plus lointaine qu'on a réussi à poser à la surface d'un corps planétaire. Puis la mission donc, se déroulait de façon extraordinaire. Donc, la mission nominale était de 4 ans. Et puis, il a été décidé de la prolonger 2 fois. Une première fois pendant 2 ans et une seconde fois pour 7 années supplémentaires. Et au total, la mission a duré près de 13 ans. Pour se terminer en septembre 2017, dans une fin d'une grande tristesse, mais glorieuse pour cette mission. Et puis voilà, l'orbiteur Cassini a été précipité après une série d'orbites extrêmement rapprochées des anneaux et de l'atmosphère de Saturne, et avec donc une fin de mission extraordinaire du point de vue scientifique, récolte de données scientifiques également. Il a été plongé pour s'abîmer dans l'atmosphère de Saturne. Pour un dernier acte de bravoure. Donc, cette mission, pour la résumer, je ne rentrerai pas trop dans le détail, je n'ai pas le temps, mais si on pouvait la résumer, ça a été près de 300, donc 13 années. Donc, quasiment une demi-année de Saturne. Donc, ça, c'était extraordinaire. On a pu voir presque 2 saisons. On est arrivé, c'était l'été dans l'hémisphère sud, Saturne. On voit ici l'inclinaison relative vue depuis la Terre
des anneaux de Saturne qui nous indiquent l'évolution des saisons et donc l'évolution aussi des saisons sur Titan. C'est très intéressant. Et on voit donc la mission s'est terminée quasiment. C'était le solstice d'été sur Saturne et donc sur Titan. Il y a eu pendant ces 13 années près de 300 révolutions autour de Saturne et près de 130 survols de Titan qui était la cible majeure et aussi l'aide au contrôle d'attitude de Cassini puisque c'était l'objet le plus massif hors Saturne. Donc c'est grâce à Titan aussi que l'on pouvait faire toutes les manœuvres de contrôle d'orbite de Cassini. Donc le fait que Titan soit massif et le fait qu'en plus Titan soit une des cibles scientifiques majoritaires a fait que l'on a survolé Titan près de 130 fois pendant ces 13 années. Puis il y a eu d'autres survols, évidemment, des survols d'autres cibles intelligentes. Il y a eu des observations de tous les satellites de Saturne avec, évidemment, d'autres satellites comme Encelade, Phobé, Tétis, Hyperion, Dioné, etc. Donc, pour revenir sur Titan, on a eu une accumulation de données absolument extraordinaire sur Titan, dans des points de vue. Donc là, c'est un petit peu brouillon, mais ça donne une idée des 13 années d'orbite. Donc Saturne est quelque part au centre de toutes ces ellipses, et 13 années d'orbite avec des configurations, des distances extrêmement variées, ce qui a permis d'étudier le système de Saturne et Titan en particulier. Avec une grande variété de points de vue. Et ça a été extraordinaire également. Et pendant ces 13 années, on a pu suivre donc une partie de l'évolution saisonnière de tous ces processus géologiques et climatiques. Donc, à la fin de la mission Cassini, voilà, on est arrivé pour ce qui nous intéresse plus particulièrement dans les projets de mon équipe, c'est la cartographie, une très très belle cartographie de la surface de Titan. Là, on a une vue de la surface de Titan dans l'infrarouge. Juste pour rappel, donc voilà, avant Cassini, voilà la cartographie, si vous voulez, la résolution à laquelle on avait accès. On pouvait voir des détails autour de 300-400 km à la surface de Titan depuis les plus grands télescopes terrestres. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de cartographie de la surface de Titan réalisée par une des unités du Very Large Telescope, donc au Chili. Donc voilà, vous voyez le gain extraordinaire que l'on a eu à la fin de la mission Cassini-Huygens. Donc ça, c'est une carte qui compile les 13 années d'observation de Cassini. On y reviendra un tout petit peu, mais l'atmosphère de Titan est opaque, principalement dans le visible. Donc on voit qu'une boule duveteuse orangée, donc on ne voit pas la surface dans le visible et très très peu dans l'infrarouge, uniquement dans quelques fenêtres très très étroites. Et c'est dans ces fenêtres de transmission que l'on a obtenu cette carte dans l'infrarouge. Et on a recomposé ces cartes dans différentes longueurs d'onde pour voir un petit peu le comportement, les couleurs nous donnent accès au comportement spectral de la surface de Titan. Donc l'idée, je reviendrai un tout petit peu sur cette cartographie. L'idée, c'est de se concentrer. Donc on voit qu'il se passe énormément de choses. Il y a énormément d'informations dans cette carte. Et on voit des couleurs différentes qui sont autant d'indications que la surface se comporte spectralement dans ces domaines de longueur d'onde différemment. Donc ça peut être des différences de composition et également combinées à des différences de texture de la surface. Donc on voit des très très belles images ici, des lacs avec des réflexions spéculaires du soleil dans ces lacs. Enfin, c'est extraordinaire, je n'ai pas le temps d'en parler. Ça pourra faire l'objet d'un autre séminaire si on a l'occasion. Et je vais me concentrer ici, non pas dans les régions polaires, où il y a l'accumulation donc, des liquides sur Titan, mais plutôt dans les régions équatoriales. Et donc, dans ces régions équatoriales, je trouvais que c'était... Donc, j'ai pas le temps dans ce séminaire de parler de tous nos projets, mais je trouvais que c'était une belle synthèse de l'ensemble des résultats de tous nos projets que l'on mène en parallèle sur Titan et qui se sont combinés ici dans la région équatoriale pour essayer de raconter une belle histoire climatique et géologique. Oui, en tout cas, pour essayer de comprendre comment ces terrains se sont mis en place en connexion avec ce que l'on pensait être la climatologie de ces régions-là. Donc, on sait que Titan a une climatologie complexe de l'équateur jusqu'au pôle Nord, et en particulier à l'équateur.
Donc, l'idée, c'est qu'on a combiné tous nos travaux sur la cartographie, sur la géomorphologie, sur la spectroscopie et nos essais, nos tests pour essayer de remonter à la composition de ces régions-là. Et puis, en lien avec ce que l'on connaît, ce que l'on a pu comprendre de la climatologie de cette région. Donc, je vais commencer par la cartographie de la ceinture équatoriale. Donc, ce qu'on appelle la ceinture équatoriale, en prenant en référence la ceinture équatoriale terrestre et les tropiques terrestres, entre plus 30 degrés de latitude nord et moins 30 degrés de latitude sud. Donc, c'est sur Titan, on a repris cette analogie-là. Et on a isolé, donc, de toutes les observations des instruments de Cassini, donc, on a des instruments d'observation, de télédétection sur Cassini qui balayent les longueurs d'onde de l'ultraviolet jusqu'au micro-ondes, et micro-ondes avec des longueurs d'onde de l'ordre du centimètre. Et ce qui est véritablement intéressant pour observer la surface de Titan, c'est évidemment donc, les fenêtres dans l'infrarouge, et puis les micro-ondes pour lesquelles l'atmosphère épaisse de Titan est complètement, à ces longueurs d'onde-là, elle est complètement transparente. Donc, on a combiné toutes ces observations-là au bout de 13 années d'observation de Cassini. Donc là, vous avez une première carte tout en haut. Je reprends la carte globale, en fait, d'infrarouge. Donc, c'est une carte qui vient du spectro-imageur VIMS. C'est une composition colorée où l'on voit ce qui domine dans les teintes rouges. C'est ce qui se passe à 5 microns de longueur d'onde. Ce qui domine dans les teintes vertes, c'est ce qui se passe à 2 microns de longueur d'onde, et bleu à 1,3 microns. Donc, tout ça, ce sont trois fenêtres dans l'infrarouge. Et on recombine ça dans cette carte pour voir un peu comment ça se comporte relativement, en relatif entre ces trois longueurs d'onde. On a une carte, globalement, grâce à cet instrument qui nous donne un échantillonnage spatial de 10 km. Chaque pixel représente en moyenne 10 km. Localement, on peut aller un tout petit peu plus, on peut être un peu plus précis, mais en moyenne, on est autour de 10 km par pixel. Donc, on a fait quand même un bond qualitatif, donc quantitatif pour le coup, assez extraordinaire avec les cartes que l'on avait avant l'arrivée de Cassini, des cartes observées depuis les plus gros télescopes terrestres. Donc, on a un ordre de grandeur de gains en termes de résolution en ce qui concerne cet instrument-là. Et on voit qu'il y a de la variabilité, hein, donc les couleurs varient. Ce qui est très brillant, c'est que c'est très brillant dans toutes ces longueurs d'onde-là. Et puis après, en fonction de la combinaison entre du rouge, du vert, du bleu, on voit qu'il y a certaines régions qui ressortent, et on a une hétérogénéité spectrale de ces régions qui nous donne une indication sur l'hétérogénéité de l'état de surface et de la composition de la surface. On a la même chose donc avec l'imageur ISS. Donc, l'imageur, on voit Titan qu'à une seule longueur d'onde, donc on a une image en noir et blanc avec des nuances de gris. On n'a pas d'information spectrale, mais par contre, on a un petit gain en résolution spatiale, en échantillonnage spatial en tout cas, puisqu'on monte à 4 km. Mais le vrai gain en échantillonnage spatial, c'est les observations micro-ondes. Le petit désavantage, c'est que ce ne sont que des observations partielles. Et par contre, on monte à 300 mètres par pixel et on peut commencer à faire non plus simplement de la spectroscopie à grande échelle, de grandes régions, mais on peut commencer très finement à regarder la géologie, à essayer d'identifier des unités géologiques et à faire de la géologie de Titan. Et l'idée, c'est de combiner la composition, l'état de surface avec l'identification d'unités géomorphologiques. Et ce que l'on fait, que l'on a fait dans la dernière carte, la carte du bas. C'est une petite carte synthétique des principales unités spectrales que l'on a observées donc dans l'infrarouge, ici et ici. Donc, vous voyez les unités brillantes globalement en jaune, les unités plutôt brunes en marron, les unités bleues qui apparaissent bleues. Là, on le verrait mieux dans une autre carte, mais elles sont assez marquantes, en fait, ces unités-là, donc en bleu, et puis d'autres unités brillantes, ici, qui sont assez particulières, dont on n'aura pas le temps de discuter non plus, mais qui sont intéressantes par elles-mêmes. Et puis, on y rajoute ce que l'on a identifié, les principales unités géologiques qu'on a identifiées grâce
aux observations micro-ondes. Et ici, celle qui domine et de très très loin l'équateur, ce sont des dunes. On en a indiqué ici en hachuré, en très hachuré jaune. Et une première observation qui saute aux yeux, évidemment, c'est que les dunes sont très fortement corrélées. Donc il y en a partout, elles dominent, et elles sont très fortement corrélées à l'unité qui apparaît marron dans les données infrarouges, dans la carte infrarouge du haut. Ça, c'est une information très très importante. Donc il y a une forme de corrélation et ça va s'avérer, ça va être au-delà même hein, de la simple corrélation entre les dunes et puis une unité de composition de surface. Donc voilà, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quand même à plus haute résolution des dunes de Titan. Donc c'est cette ceinture équatoriale qui est dominée par d'immenses champs de dunes linéaires. On les voit ici dans les données micro-ondes. Donc c'est assez extraordinaire, ce n'était pas attendu. L'inverse même avant Cassini était attendu. Hein. On pensait que la surface serait trop humide pour qu'il y ait des processus d'érosion éolien, donc des particules transportées par le vent. Et Cassini est venu, les observations de Cassini est venu pour nous démontrer le contraire. C'est ça qui est extraordinaire avec l'exploration aussi. Donc, dans cette carte, on a identifié donc, cette carte synthétique, vous voyez en bas encore. On s'est concentré, nous, sur cette étude, et puis là, je vais focaliser la fin de mon séminaire sur ce sujet. On s'est concentré sur trois ou quatre régions très particulières qui présentaient justement une transition assez systématique entre des unités, ces unités spectrales brillantes, bleues et marron, dans une séquence qui est assez systématique et qui, finalement apparaît avec une certaine logique, une certaine rationalité. Et on a eu envie de l'étudier un peu plus en détail pour comprendre comment, le pourquoi et le comment de cette transition, cette séquence spectrale, et essayer de voir s'il existait une séquence géologique possible entre ces unités brillantes, ces unités bleues et ces unités marron. Donc voilà un peu plus en détail. Ici, il y a un cratère équatorial qui s'appelle Synlap. Et l'on voit, on a mis en rapport, donc j'ai grossi un tout petit peu pour vous voyez mieux, ce que l'on voit dans l'infrarouge, donc toujours ces unités marron, là, ça a été un petit peu transformé, donc là, elles apparaissent plutôt dans une teinte verte, mais c'est une unité marron dans la carte précédente. Cette unité bleue qu'on voit beaucoup mieux ici, avec des cartes plus détaillées, et ces unités brillantes, ici, que l'on peut mettre en rapport avec les observations du radar. Et ce que l'on voit, et on peut faire une carte, une première carte géologique, une carte de synthèse que je vous ai montrée ici, et j'en fais encore un zoom ici. Ce que l'on voit, c'est que les unités brunes sont fortement corrélées avec les dunes. L'on ne distingue pas forcément, mais vous pouvez me croire sur parole. Ici, il y a des dunes individuelles. Et les unités très brillantes sont souvent disséquées. Quand on regarde les observations dans le domaine micro-ondes, elles sont, on appelle, incisées par des rivières. Et ça, on ne peut le voir qu'avec les données de plus haute résolution spatiale. Mais on voit des rivières sur Titan. Et on voit ces incisions et on les a reportées sur notre carte géologique. Et donc, ça fonctionne très bien pour nos autres régions d'intérêt. On a ici une région, ici, avec une très belle transition brillante. Zone brillante ici, zone plus marquée dans l'infrarouge ici, plutôt vers le bleu, puis des régions marron, où l'on voit encore des dunes. Alors là, il y a des zooms où vous voyez les dunes individuelles, où ces régions marron sont encore des dunes, donc des vastes déserts de dunes. Et puis encore ici, et ici, avoir peut-être le plus bel exemple est celui-ci, où l'on voit cette grande région brillante, qui est incisé de nombreuses rivières ici, qui semblent plonger vers cette zone dominée dans l'infrarouge par la couleur bleue, et puis ensuite fait une transition vers ces régions marron. Donc pour essayer de comprendre et arrêter de parler de régions infrarouges brillantes, rouges et marron,
Eh bien, l'idée a été d'utiliser la modélisation du transfert radiatif pour essayer d'extraire la composition et la texture de la surface. Donc l'idée, vous voyez, c'est illustré par cette image, c'est de retirer toute cette atmosphère qui nous embête, en fait, pour essayer de récupérer un maximum d'informations avec la plus grande pureté possible sur la surface et de l'utiliser dans l'infrarouge pour essayer de remonter, utiliser ces signatures de surface infrarouge pour remonter à la composition. Donc la grande question, c'est effectivement de voir la surface de Titan. Ça va être peut-être un peu plus technique ici, et je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Donc l'idée, c'est que effectivement sur Titan, il y a énormément de gaz, comme je vous le disais, et le gaz principal le plus absorbant, c'est le méthane qui est en forte abondance dans l'atmosphère de Titan. Et ce que l'on voit ici, c'est un spectre simulé, un spectre de transmission de Titan. Quand on est à 1, ça veut dire qu'on voit, quand on est au-dessus de l'atmosphère de Titan, on voit jusqu'à la surface. Et quand on est à 0, c'est qu'on ne voit pas du tout. Et toutes les valeurs intermédiaires, ça veut dire qu'on voit la surface, mais qu'il y a des contributions atmosphériques. Il y a quand même un petit peu d'absorption par l'atmosphère sur le trajet. Donc le gaz principal, c'est le méthane. On voit qu'il y a quand même des collisions qui sont induites par le méthane et puis ici par le CO, d'autres composés de l'atmosphère de Titan. Et on voit qu'il y a des pics ici de transmission et ce sont ces fameuses fenêtres de transmission. Et on voit que dans l'infrarouge, à partir d'un micron et jusqu'à 5 microns, il y a 7 ou 8 fenêtres que l'on peut exploiter pour voir l'atmosphère de Titan. Mais leur transmission n'est pas de 100%, donc il y a quand même des contributions atmosphériques. Et puis, il se rajoute à ça une brume très dense d'aérosols. Je n'aurai pas le temps de rentrer trop en détail sur leur origine. Mais ce que vous voyez, l'aspect un peu dufteux de Titan et une grande partie de son opacité aux courtes longueurs d'onde vient de la diffusion par ces couches de brume, ces aérosols naturels. L'influence de la diffusion par aérosol décroît avec la longueur d'onde. Elle devient négligeable à 5 microns. Mais on a quand même accès à la surface à des longueurs d'onde plus petites que cela. Et donc, il faut quand même en tenir compte quand on veut vraiment voir la surface de Titan et la voir proprement. Bon, je ne discuterai pas non plus, mais il y a des effets, effectivement, de texture de surface et qui ont des effets donc qui perturbent un peu le signal de surface du fait de la photométrie. Donc, l'idée, c'est de corriger des contributions atmosphériques le mieux possible et éventuellement de la photométrie de la surface, je n'aurai pas le temps d'en parler, pour remonter à ce qu'on appelle la réflectance pure de la surface, et à partir de cette réflectance dans l'infrarouge, donc le vrai comportement de la surface, remonter à sa composition en comparant avec le comportement de candidats ou des spectres de laboratoire, de glace, d'organique, ou avec des spectres simulés. Et faire ça à l'échelle locale, et puis pourquoi pas, si on a la possibilité, le faire à l'échelle globale. Donc là, je vais accélérer un petit peu, peut-être que je ne vais pas détailler. On utilise pour ça un modèle de transfert radiatif qui simule les observations dans l'infrarouge, les spectres observés de Titan dans l'infrarouge. Et en utilisant ce modèle de transfert radiatif pour inverser, on inverse ce modèle de transfert radiatif pour remonter aux propriétés de l'atmosphère et de la surface. Donc je vais... Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je vais aller un tout petit peu plus vite, d'autant plus que c'est la partie la plus technique du séminaire. Donc, je regarde ma montre, il me reste 10 minutes et je préférerais aller un tout petit peu à la conclusion de cette étude-là. 15 minutes. 15 minutes. Bon, je pourrais revenir là-dessus avec plaisir si vous le souhaitez. Donc, l'idée, c'est qu'on a appliqué ce modèle de transfert radiatif aux observations infrarouges de Titan. Donc, vous revoyez ici une cartographie globale de la ceinture équatoriale et encadrée en blanc, donc nos régions d'intérêt principales dont je vous ai parlé, avec cette fameuse transition brillant, bleu, marron. Donc, toutes les observations, voilà, j'ai pris donc une sélection des observations ici, donc du cratère de la région Haru, de notre cratère, je vous avais parlé de cette région de Xanadu Est et puis notre région. On a les observations donc, de spectro-imageurs de Cassini et on a sélectionné des pixels dans ces régions brillantes, ces régions bleues et ces régions marron. Et l'idée, c'est de regarder ces pixels qui sont autant de spectres, d'essayer de trouver la composition de ces régions et donc d'utiliser le code de transfert radiatif. Alors, ce que l'on fait, c'est que l'on prend un cube
on utilise notre code de transfert de rayonnement. On a réussi à le faire sur plusieurs milliers de pixels, ce qui est une avancée majeure. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais techniquement, on a eu beaucoup, beaucoup de travail sur notre code de transfert radiatif pour arriver à pouvoir l'utiliser sur autant de pixels. Ça, c'est une petite révolution. On est encore en train de travailler là-dessus. Ce n'est pas encore parfait, mais on a fait de très, très gros progrès ces dernières années avec mon équipe. Et on obtient ce qu'on appelle une réflectance de surface, un albédo de surface dans 8 fenêtres de transmission. Et c'est-à-dire qu'on obtient finalement un spectre corrigé au mieux des contributions atmosphériques dans ces régions de transmission de l'atmosphère de Titan. Et avec ce spectre, dans les unités qui nous intéressent, là je vous montre uniquement les spectres moyens, mais on a 40 000 spectres en fait, et qu'on va pouvoir essayer d'analyser. Et ces spectres, on va les analyser avec des spectres candidats. Donc, pour ne pas trop compliquer l'étude spectrale et pour pas qu'elle soit sous contrainte, on a utilisé des candidats à la composition majoritaire de Titan, qui sont la glace d'eau, je vous en ai parlé, qui doit très certainement affleurer en surface, on le pense depuis très très longtemps, et qui en tout cas, on pense qu'elle fait partie de la composition majoritaire de la croûte et du manteau de Titan. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle effleure pas par endroit à la surface de Titan. Et puis, le sédiment principal de Titan qui vient de son atmosphère, qui sont ces fameux aérosols qui sédimentent à la surface depuis des millions et des millions d'années. Donc, c'est ce qu'on appelle les taulins ou les taulin-like matériaux. Et donc, on a utilisé ces candidats-là et on a simulé leur comportement spectral dans le domaine de longueur d'onde qui nous intéresse, donc de 1 à 5 microns, et en jouant un petit peu sur la texture avec des grains qui sont des grains nanométriques jusqu'à des grains millimétriques. Et on voit que leur comportement, donc on voit différents spectres ici de la glace d'eau, différents spectres de ces organiques complexes, donc de ce sédiment de Titan, et ces spectres varient en fonction de la taille du grain que l'on considère pour composer ce spectre. Et en mélangeant, on va essayer de voir quelle est la combinaison entre les tailles de grains et le mélange de glace d'eau et d'organique correspond au mieux au spectre que l'on observe, que l'on a extrait des observations de Cassini. Et les conclusions de notre étude ont montré que, principalement, donc les unités brillantes que l'on associe à des collines ou des montagnes sont dominées par des petits grains d'organique complexe solide. Et en fait, ils se rapprochent très fortement des aérosols qui sédimentent de l'atmosphère sans être véritablement transformés par des processus géologiques. Les unités bleues, ces régions intermédiaires entre les unités brillantes et les unités brunes, semblent être enrichies en glace d'eau, avec des grains assez gros, et qui semblent être le plus compatible avec leur comportement spectral. Et les unités brunes, finalement, qui correspondent aux unités géologiques étant des dunes, dominés par les dunes, eh bien, on voit qu'ils sont dominés à nouveau par des organiques solides complexes, mais avec des grains un peu plus gros. Et donc, ça serait compatible avec des compositions de dunes dominées par des organiques complexes avec des grains, presque des grains de sable d'organique. Et donc, il y avait une dernière chose à mettre en place, une dernière pièce du puzzle à mettre en place pour essayer de comprendre tous ces terrains ou la mise en place de ces terrains ou l'histoire géologique et climatique de ces terrains, c'était de s'intéresser à la climatologie. Et on s'intéresse à la climatologie, c'est peut-être un de mes plus anciens projets de recherche, axe de recherche, c'était la climatologie de Titan. Et c'était très intéressant ici de le mettre en connexion avec ce que l'on avait appris de la spectroscopie, de la composition et de la géomorphologie de cette région-là, en particulier de cette région-là. Et donc, la climatologie de Titan, on l'étudie depuis, avec des observations au sol, avant Cassini et même pendant Cassini pour la compléter. Vous voyez ici donc des images de Titan prises depuis des gros télescopes au sol. Et on voit ici les régions brillantes, ce sont des nuages. En fait, quand on regarde à certaines longueurs d'onde, on voit des nuages. Et évidemment, on a profité des 13 années de Cassini pour faire une cartographie la plus complète possible de l'activité météorologique de Titan. Et donc là, vous avez un exemple d'une observation. Encore une fois, c'est le spectroïde majeur. Et à certaines longueurs d'onde, ce que vous voyez, ce qui est très brillant,
ce sont des nuages. Et donc, on a rassemblé à la fois les observations terrestres et les observations de Cassini pour réaliser des cartes globales de la couverture nuageuse globale de Cassini. Ce que vous voyez ici, en fait, en marron, donc ça, c'est une carte de Titan, et donc de l'équateur jusqu'au pôle, hein, vers le pôle nord et vers le pôle sud, à toutes les longitudes. On a reporté ici la couverture fractionnée, le pourcentage de couverture en nuages de Cassini pendant les 13 années d'observation de Cassini. Et donc, ce que l'on voit, c'est que l'activité nuageuse, en fait, est essentiellement, donc c'est l'expression du climat, hein, c'est une des expressions les plus marquantes, hein, du climat de Titan, c'est cette couverture nuageuse de nuages de méthane, eh bien, elle est essentiellement au pôle, donc qui sont les régions les plus humides de Titan, et puis ce qui se passe à l'équateur, c'est assez sec. Et c'est fortement corrélé à la présence des déserts de dunes sur Titan. Finalement, c'est tout à fait analogue à ce que l'on retrouve sur Terre, c'est les régions les plus sèches de Titan. Et donc, on a quand même, alors ce qui est quand même intéressant du point de vue de la climatologie, c'est que c'est sec, il y a peu de nuages, mais il y en a quand même. Il y en a très très peu. Et on en a observé, et on a observé, notamment à l'équinoxe, des très 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 gros orages. Et on a même, à la suite de ces très gros orages, on a pu remarquer, on a eu des marques indirectes de la pluie, donc de chute de pluie de méthane sur Titan. Donc je vous ai dit, hein, le cycle est complet. Et on a pu même les observer. Donc, on a eu deux épisodes de pluie ont été observés. Elles sont sans doute très, 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 très rares, beaucoup plus rares que sur Terre également, mais même sur Titan, au point de vue de Titan, elles sont beaucoup plus rares à l'équateur qu'au pôle, mais elles sont certainement très, très violentes. Là, on a vu des chutes de pluie, donc des très, très gros nuages. Les nuages font 5000 km de long, ici, notamment ce grand nuage, ce grand orage équatorial. Et puis, ce que l'on a vu, c'est qu'il y a eu des assombrissements de la surface qui sont liés donc à ces épisodes de pluie sur des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres carrés. Donc, on se retrouve très certainement avec, si on fait le point un petit peu avec le climat de Titan, avec un transport net, on pense, des volatiles vers les pôles et avec un assèchement des tropiques et des régions équatoriales. Et ce que l'on fait, c'est qu'on peut, l'idée et ce qui est très, très, très intéressant, c'est de faire le lien avec la géologie, où l'on voit donc à l'équateur des déserts de dunes, et puis des densités, et puis des nombreux lacs au pôle, et pas de lacs ailleurs, pas de lacs confirmés ailleurs sur Titan. Et puis entre l'équateur et puis les pôles, des densités de chenaux, de rivières ou de terrains incisés, disséqués, de plus en plus importants. Qui nous permet de mettre en fait en lumière un climat qui est aride à semi-aride un peu partout sur Titan, mais qui est globalement plus sec à l'équateur et plus humide au pôle. Et ça, pour revenir à notre problématique de la ceinture équatoriale et de la mise en place de ces terrains en particulier, eh bien, ça nous permet de faire une très très belle synthèse de l'ensemble de ces observations-là. Et puis vous avez à gauche ici une représentation, ce qu'on appelle en géologie un diagramme bloc, ici. Donc, des unités brillantes, de la transition entre les unités brillantes montagneuses, des unités bleues, et puis des unités marron, tout cela dans l'infrarouge, et puis d'essayer de le mettre en relation avec une histoire géologique et climatique. Et bien, ce que l'on pense, c'est que ce qui se passe sur les montagnes, elles reçoivent régulièrement, constamment, de la sédimentation des aérosols. Donc, ça fait une légère couverture de ces collines, de ces montagnes, avec un socle en dessous qui n'est pas très, très loin, un socle rocheux, entre guillemets, qui serait composé de cette lithosphère de glace d'eau. Et il pleuvrait de temps en temps, très rarement, mais de façon très violente, sur ces montagnes, sur ces collines, enfin partout, hein, et en particulier sur ces collines, ça ferait des incisions, des rivières, ça inciserait ou ça alimenterait des rivières qui sont déjà existantes, et puis ça les creuserait encore plus, et puis donc ça emporterait du matériau avec eux, en partie ce sédiment, ce petit sédiment très fin, et puis ça creuserait aussi une partie du socle rocheux, donc ça emporterait des blocs de glace d'eau. Des blocs de glace d'eau qui, avec l'arrivée sur les plaines, donc se déchargeraient, hein, ce qu'on appelle les outwash plains, c'est des plaines de débâcle,
c'est les plaines de dépôt, où on déposerait, évidemment, par ordre, c'est la gravité qui domine, par ordre, eh bien, essentiellement des gros blocs de glace d'eau, les grains de glace d'eau, et puis le sédiment de plus en plus loin, ensuite le sédiment de plus en plus fin. Et ce sédiment de plus en plus fin, en fait, il y a un autre processus qui prendrait le relais, ça serait le vent, qui souffle en permanence sur Titan aussi, et ce vent soufflerait ces grains, le transformerait pour faire des grains de sable et puis former les dunes au final, qui serait le puits final de ces sédiments. Donc ça raconte une assez belle histoire, assez cohérente, en fait, quand on regarde encore une fois cette transition là, brillant, bleu et éant, avec une très très belle analogie avec ce qui se passe dans les déserts ou les régions arides ou semi-arides terrestres. Je vous rappelle qu'à l'équateur de Titan, on a estimé que le climat était tout à fait analogue, c'était un climat aride ou semi-aride. Et ce que l'on voit ici, c'est résumé encore une fois avec la sensibilité ici vers le transport éolien qui croît au fur et à mesure qu'on s'éloigne des régions montagneuses et des régions de débâcle ici, et que la granulométrie diminue, que la granulométrie augmente, et en tout cas qu'il y a séparation des gros grains et des petits grains, et que les petits grains sont ensuite disponibles pour former des dunes. Et on a cette très très belle transition entre montagne, désert de blocs et de roches, on va dire, et puis désert de sable sur Terre, et c'est cette fameuse transition qu'on appelle WED, donc où il y a des canyons qui sont creusés, les WED ce sont des montagnes où l'on creuse les canyons, REG qui sont des déserts de roches, que vous avez ici, où ben, toutes ces roches charriées par les débâcles lors des violents orages dans les déserts se déposent essentiellement. Il y a une région de transition ensuite vers les déserts de sable où se forment les... Et on aurait, chose extraordinaire, avec des matériaux dans des conditions complètement différentes, on aurait la même chose sur Titan. Donc je vais m'arrêter là, j'avais un petit bonus après, je vais m'arrêter là et je vais m'arrêter... surtout sur ce qui se passe à l'avenir. On pourra en discuter lors des régions. Donc voilà ce qui va se passer dans l'avenir de l'exploration de Titan. Évidemment, on n'a pas percé tous ces secrets encore. Et là, je vous ai fait dans ce séminaire qu'une petite fenêtre hein, sur la complexité du système climatique et géologique de Titan. Et on n'a pas encore tout compris, hein, mais on pense avoir en tout cas réalisé une belle synthèse de toutes les observations dans cette histoire-là. Il va y avoir d'autres observatoires de Titan dans l'avenir. On va continuer à travailler sur Titan, évidemment. Et puis, je vous laisse donc sur cette conclusion avec cette très belle analogie entre la Terre, Mars et Titan du point de vue climatique et géologique. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez été un public très discret et très calme. Ben, ça va peut-être changer maintenant. Donc, c'est quand même particulier de parler seul devant son ordinateur. Hein. Non, mais on était tous là, on était une quarantaine. Oui, oui. C'est ouvert pour les questions. Donc, si vous avez des questions, levez la petite main et puis je vous passe la parole. Et puis, bien sûr, vous mettez votre micro quand vous voulez poser votre question. Alors, apparemment, tout le monde a tout compris et personne n'a de questions à poser. Alors, moi, je vais en poser une. Alors moi, j'ai des deux questions, mais des questions basiques, hein, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ça. La première, c'est quand tu montres une carte, la carte infrarouge globale de Titan au début. Je vais la remontrer, oui. Stéphane va poser une question ensuite. Je vois une main qui se lève. Donc, alors, il y en a une ici, il y a un exemple. Hein, elle est juste projetée à la surface de Titan. Voilà, il y a un exemple. Par exemple, ça, les régions floues, ça tient des observations ou ça tient vraiment à l'atmosphère? Alors, les régions floues, ici, alors floues. Jaunâtre, en fait, que l'on voit jaune, en fait, sur cette image, par exemple. Alors, sur cette image, c'est une correction. Alors, il n'y a pas de transfert radiatif dessus encore. Donc, notre confiance en la correction que l'on apporte, la correction atmosphérique, l'idée, c'est de nettoyer la diffusion l'absorption atmosphérique pour essayer d'avoir un signal le plus pur possible de surface quand on fait ce genre de carte. Là, c'est une correction empirique avec des équations très simples et au premier ordre des contributions atmosphériques.
Donc, il n'est pas impossible que ce que l'on voit encore soit un mélange de surface et d'atmosphère. Et les régions un peu floues sont très certainement donc jaunâtres. Le fait qu'elles soient jaunâtres et tirent vers le jaune vient très certainement d'une contribution atmosphérique qui n'est pas intégralement corrigée. D'accord. Stéphane, mais, tu avais une question. Elles ont quand même un comportement spectral qui est radicalement différent. Donc, ça, c'est bien lié à la surface, qui est radicalement différent de ce qui se passe dans les régions. Alors, on parle, c'est notre habitude, hein, brillante, marron, bleu, etc., violette, etc., etc. C'est dans cette composition colorée bien particulière, évidemment. Mais ça, ces régions-là, elles ont un comportement, ça s'est confirmé, un comportement spectral qui est très différent de ces régions-là et de ces régions bleues, des régions brunes et des régions bleues. Oui, non, ce que j'ai pas compris, en fait, c'est que... Dessus. Même si la correction d'atmosphère n'est pas parfaite, on a quand même réussi à mettre ça en évidence. D'accord. Mais ce que je n'avais pas compris, effectivement, c'est que la correction avait déjà été appliquée, en fait, sur ces Voilà, images. Sur cette carte, la correction est appliquée, partie de la correction, et l'idée, c'est d'aller plus loin avec un code beaucoup plus performant de correction. D'accord. Stéphane, tu avais une question ? Oui, merci beaucoup Sébastien pour ce séminaire très clair et très riche et intéressant. Hein. Salut, et bien Stéphane. Sûr, tu es bienvenu de nouveau à Nancy. Hein. Ah ben merci. Il n'y a pas de problème. Moi, j'avais une question en fait sur un de tes résumés. Il m'a semblé voir que tu as écrit au niveau de Paul, c'est plutôt enfin l'extrémité de l'hémisphère sud et l'extrémité de l'hémisphère nord. Tu avais écrit nombreux lacs au nord et peu de lacs au sud. Est-ce qu'il y a voilà ici et oui. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Oui, il y a une raison. Enfin, on pense avoir mis le doigt sur une raison là-dessus. C'est que c'est quand même globalement plus humide et au sud, on a des traces de lacs, mais qui sont asséchés. Ça veut dire que historiquement, il y a quand même eu plus de liquide au pôle qu'à l'équateur, quoi qu'il arrive. Mais en ce moment, en fait, il y a une asymétrie. C'est l'asymétrie de l'excentricité de l'orbite de Saturne autour du Soleil. Et donc, Titan est emporté. Hein. Dans son orbite par Saturne autour du Soleil aussi. Donc, il y a une excentricité. Donc, il y a une variation de la distance de Titan au Soleil qui varie. Aussi, cette excentricité, elle a une périodicité de variabilité de l'ordre de 40 à 50 000 ans. D'accord. En fait, on se retrouve avec des cycles qui sont assez analogues au cycle de Milankovitch sur Terre. Et en fait, périodiquement, il va y avoir des étés plus courts et plus intenses au nord, pendant qu'ils seront plus longs, mais moins intenses au sud, et inversement, avec une périodicité de 40 000 à 50 000 ans. Tout ça lié D'accord. à l'excentricité, ou à la périodicité de l'excentricité de l'orbite de Saturne autour du Soleil. Et ça a été, il y a eu des modèles qui ont été faits, donc ça a été estimé. Et en ce moment, on est dans une période où l'été est plus court mais plus intense au sud, et donc il y a un transport net global, donc il y a globalement un transport de l'équateur vers les pôles, des volatiles, mais il y a globalement un transport net du sud vers le nord, et donc il y a assèchement du nord avec un peu moins de liquide au sud et un peu plus de liquide au nord. Et ça, on pense que ça s'inverse tous les 40 ou 50 000 ans. Et c'est pour ça qu'on a des traces fossiles de lacs aussi, au sud, on pense que ces lacs se sont asséchés ces 20, 30, 40 derniers milliers d'années. Ok. Est-ce que ça répond à ta question ? Ben, c'est parfait, merci. Merci pour le séminaire, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, moi, je suis curieux, mais bon, comme je suis l'animateur, quand même, je ne vais pas trop en faire. Ah, Lilian, je vois, a une question. Oui, bonjour, merci aussi pour la qualité du séminaire. J'avais une question un peu plus générale justement sur ce sujet-là. Est-ce que, vous avez parlé de liquide et de lac, est-ce que vous pouvez donner une estimation de la surface couverte par les zones liquides ? Et puis éventuellement aussi préciser un petit peu les dimensions des montagnes et des dunes que vous avez évoquées. D'accord. Alors, pour les lacs, je n'avais pas anticipé la question. C'était pas, on était à l'équateur, donc ce n'était pas le sujet, mais vous avez. C'est une question tout à fait. Alors, je ne sais pas pour les lacs. Elle est très naïve, parce qu'en gros, enfin, le réflexe, c'est un peu de comparer à ce qui se passe
sur la Terre et puis de se dire, ben voilà, on a une composition liquide sol. Voilà, la composition, déjà la composition, ça je peux en parler. Alors j'essaie de trouver dans mes suppléments si j'ai un transparent qui pourrait aider à répondre à cette question. Est-ce que je suis sorti de... Ah oui, je suis sorti. Oui, tu es sorti de ta présentation. Ah, désolé, donc je vais repartager. Non, c'est pas grave. Je vais repartager et je vais peut-être laisser, si je navigue dans les... Hop, non, alors je vais refaire ça. Là. Je vais faire ça et je vais partager. Je vais partager. Alors, désolé pour ça. Hop. Ça, c'est un problème de manipulation. Donc, je vais essayer de trouver. Alors, pour répondre à la question, il y a 1000 fois plus d'hydrocarbures sur Titan que sur Terre. Mais ça ne répond pas à la question, puisque ça n'a rien à voir avec l'étendue des liquides. La plus grosse mer. Alors là, je bloque sur mon. Pourquoi c'est bloqué ? Voilà, ça y est. La plus grosse mer. Je pense que le mieux, ça serait que je revienne sur la cartographie globale. Ce serait le mieux. Sébastien, peut-être juste une ordre de grandeur. Hein. Ouais, oui, mais le problème, c'est que j'ai pas. C'est un problème. Alors, le problème, c'est que sur Terre, les trois quarts sont des océans. Non, voilà, c'est beaucoup moins. C'est deux ordres de grandeur en dessous, on va dire. D'accord. Mais la plus grande mer d'hydrocarbures, qui est composée de méthane et d'éthane liquide essentiellement avec d'autres hydrocarbures. C'est l'équivalent de la mer Caspienne, à peu près. D'accord. Et les structures, pour reparler maintenant des montagnes et des dunes, là, Alors, il n'y a pas beaucoup de relief sur Titan, parce que c'est quand même de la glace. Et il y a beaucoup d'érosion, finalement, sur Titan. Et c'est de la glace, même si à cette époque, je pense qu'elle a à peu près la rhéologie, c'est-à-dire les propriétés mécaniques de la roche. Elle est quand même un poil plus visqueuse quand même que de la roche. Donc, les reliefs ne sont pas très, très élevés. Les montagnes les plus élevées, on pensait 1000, autour de l'altitude moyenne, c'est 1000, 1500, 2000 mètres d'altitude. Et les dunes, j'y arrive, justement, j'avais préparé cette question, il me semble, puisqu'on en parlait beaucoup des dunes, sauf que c'est très lent, je suis désolé. Voilà, les dunes, voilà. Voilà, les principales propriétés des dunes sont des dunes linéaires, elles sont très particulières. Elles vont toutes vers l'est, donc ça c'est très intéressant, on y travaille aussi. Elles sont très régulières, entre 100 et 1000 km de long. Elles sont séparées entre 1 et 3 km à peu près, et elles font près de 100 à 150 mètres de hauteur. Donc, c'est des très grosses dunes. Hein. D'accord, oui. Si on fait la superficie totale des dunes, c'est l'équivalent, donc si je reviens en arrière, c'est l'équivalent de la surface des États-Unis. Hein. Donc, si on ramène ça à la surface de Titan, qui est une surface plus petite, du coup, on est presque à 20% de la surface de Titan qui est composée de dunes. C'est une unité géologique majeure sur Titan. Est-ce que vous espérez voir de la dynamique sur ces dunes ou à l'échelle des temps, ce n'est pas du tout raisonnable? Enfin, je veux dire, si elles sont formées par le vent, donc est-ce que cette érosion, elle est perceptible à l'échelle d'une saison ou d'une année de Titan? Alors, c'est une très bonne question. Donc, on espère le voir, effectivement. On a des indices indirects qu'elles sont actives. On a notamment le fait qu'entre les dunes, on a détecté donc, le socle rocheux. Ça veut dire que le sédiment est balayé. D'ailleurs, une des participantes de l'audience a travaillé sur ce sujet, Léa. On a observé aussi des tempêtes de poussière au-dessus de ces dunes, donc on pense qu'elles sont actives. Il y a du vent, mais par contre, on n'a aucun moyen de les voir parce qu'en calculant la dynamique de ces dunes, sont des dunes, on appelle ça des dunes géantes. Donc, plus une dune est massive par simple conservation de la masse, plus leur vitesse de migration, leur vitesse d'évolution est très lente. Et on pense que sur Titan, ce sont des dunes géantes. On pense qu'elles ont atteint leur taille maximale. Mais elle pourrait continuer à s'allonger, mais de façon très, très lente, de quelques mètres tous les ans, et on n'a pas la résolution pour le voir. Donc, on n'a pas d'indice direct de migration des dunes d'évolution, de dynamique de ces dunes. On a quelques indices indirects qu'elles sont quand même encore actives aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a du transport. Actif, ça veut dire qu'il y a du transport de sédiments. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bon, moi, j'en ai peut-être une petite dernière pour la route, si je peux me permettre. Allez, pour la route. Tu as parlé d'épisodes de précipitation, en fait, de pluie, hein, très fort. Est-ce qu'on a des raisons de penser qu'il pourrait ou ne pourrait pas y avoir d'éclairs d'orage? Ah. Parce que je sais que j'ai des collègues sur l'expérience RPWS sur Cassini qui bon, on a détecté plein d'éclairs d'orage de Saturne, bien sûr. On les a recherchés activement sur Titan. Que je sache, il n'y a pas eu de détection. Mais je me demandais si il y avait des raisons de se focaliser sur des moments bien particuliers, en fait, sur des survols bien particuliers. Tous les collègues plasmiciens me posent cette question. Bon, ça va, alors j'ai pas fait exception à la règle. Et effectivement, tu as raison, on n'a rien détecté encore sur Titan. Donc, il faut quand même, je pense, que la différence de potentiel soit suffisante, hein, pour déclencher Absolument. un éclair. Donc, la question, alors là, moi, ce n'est pas du tout ma spécialité. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment de différence de potentiel. Donc, dans les orages de méthane, et le méthane n'est pas une molécule polaire, hein, non plus. Oui, c'est pas polarisé. Il y a beaucoup de choses qui font que pendant les orages humides, on va dire, c'est très compliqué de générer des orages sur Titan, mais des éclairs en tout cas sur Titan. Mais beaucoup y pensent et beaucoup l'ont cherché dans les données Cassini et continuent de le chercher. Là où on aurait peut-être le plus de chance, et c'est Jean-Pierre Le Breton qui m'a posé la question, c'est lorsqu'on a découvert la possibilité qu'il y ait, et c'était mon bonus, hein, je n'ai pas eu le temps, au-dessus de cette unité majeure, donc ces vastes champs de dunes qu'on essaie de comprendre. C'est qu'on a vu, on pense avoir vu des tempêtes de poussière. Alors, c'est des poussières organiques, hein. Encore une fois, c'est des chaînes de molécules organiques complètes, mais petites. Et ces chaînes de poussière, elles pourraient être polarisées plus facilement et pourraient générer des orages. Alors, le problème, c'est que ce sont des phénomènes rares. On n'en a détecté a priori que trois. Donc là, vous voyez une belle illustration. J'ai eu la chance, donc c'était un papier qui est sorti. Il y a 2 ans, et j'ai eu la chance d'être contacté par un illustrateur qui est très connu, c'est Ron Miller, et il m'a proposé de faire une illustration. Elle est magnifique, celle-ci. Là, j'étais très honoré de cette illustration. Et vous voyez donc ce nuage de poussière organique au-dessus des dunes de l'équateur de Titan. Et à l'intérieur, il m'avait fait une première illustration avec un éclair. Non, ça lui paraissait naturel qu'il y ait un éclair dedans. Et c'est vrai que Jean-Pierre Le Breton m'avait posé la question. Et si on doit chercher des éclairs sur Titan, c'est pendant ce genre d'événement, je pense. Mais pendant ces trois événements, on n'en a pas détecté encore. Alors, on a D'accord. très, très peu de statistiques Non, et mais c'est peut-être qu'on n'a pas intéressant. les outils non plus pour pouvoir les détecter. Ce serait intéressant de cibler, en tout cas, sur ces événements particuliers. Mais en particulier, donc, par contre, il faut attendre tous les 14 ans, il faut attendre les équinoxes. Oui, mais on a des données sur lesquelles on peut revenir. On peut revenir sur ces données-là, effectivement. Richard, Mais je ne une suis pas question. Je... spécialiste, Pardon. donc moi Excuse-moi. j'ai pas cherché les signatures Non, bien sûr, mais ça donne des idées. d'éclairs. Richard a une question, je vois. Oui. Richard, il faut mettre ton micro. Richard, ton micro est coupé. Voilà. Non, tu viens de le mettre et de le recouper. Vous Oui, m'entendez? c'est bon. Oui, on t'entend, ça Ah, y d'accord. Bonjour, excusez-moi. Donc, je suis Jean-Yves Richard, donc je travaille à l'Observatoire de Paris dans l'équipe rotation de la Terre. Et donc, je fais des traitements de données. Et j'étais intéressé de savoir comment vous faisiez les inversions. À un moment donné, vous parlez des modèles et que ensuite vous, par un modèle inverse, vous récupérez des paramètres. Alors, est-ce que vous avez le temps de d'ébaucher quelques aspects Voilà, concernant ce c'était. problème ou pas ou... Oui, bien sûr, moi, Oui. avec plaisir. Hein, je suis là de toute Merci. façon pour discuter avec vous, hein, avec plaisir. C'est la partie la plus technique. C'était la partie la plus technique du séminaire. C'est pour ça que je l'ai un petit peu passé pour rester dans les temps. Et donc, je reviens dessus. Donc, l'idée, c'est de comparer. On a un modèle qui produit. Donc, ça, c'est pour essayer d'extraire la composition de la surface de Titan, en fait. Et donc, on a un modèle complexe, un peu lent, qui reproduit les observations spectrales donc de l'instrument spectro-imageur. C'est un modèle de transfert radiatif qui simule l'interaction entre les photons et puis l'atmosphère et la surface de Titan. Donc, on a un modèle d'atmosphère, structure, pression, température,
On y injecte des propriétés des gaz et des aérosols, les propriétés d'absorption et de diffusion de ces gaz et des aérosols, les abondances, évidemment, les propriétés de diffusion et d'absorption de la surface. Évidemment, on tient compte de la géométrie d'observation. Et avec ça, on a un solveur des équations intégraux différentielles donc du transfert de rayonnement. Et on obtient un spectre simulé de ce que l'on devrait observer avec notre spectro-imageur, un spectre complet de type 1. Et on y reconnaît bien, vous voyez les pointes ici, on y reconnaît bien les fenêtres de transmission. C'est les fenêtres à travers lesquelles on peut voir la surface, ou en tout cas le signal est sensible au signal de surface. Et ça, c'est un modèle qui est très pratique parce qu'on peut jouer avec les géométries d'observation et on peut jouer un petit peu avec les propriétés de l'atmosphère et de la surface. L'idée, c'est que ce sont des modèles très, très lents. Un spectre complet, il faut une minute pour le calculer. Et si on veut prendre un cube VIMS de 64 pixels par 64 pixels, et pour chaque pixel, on a un spectre, eh bien, si on voulait l'utiliser pour analyser chacun de ces spectres avec des méthodes classiques d'inversion, donc là, je rentre un peu dans le détail de la technique d'inversion, on utilise, donc on compare en jouant sur l'espace des paramètres, donc de l'atmosphère, de la surface, on compare les spectres simulés avec les spectres observés. Et ça, c'est des méthodes classiques de descente de gradient, du Levenberg-Marquard. On peut utiliser de l'algorithme génétique, on fait ce genre de choses. Le fait est, c'est qu'il faut quand même un certain nombre d'itérations et d'appels au modèle direct qui est très lent. Et on le fait pour chacun des pixels. Et si on fait ça, ça fait le nombre d'itérations fois une minute, on arrive très très vite à une semaine, voire plus d'une semaine, pour inverser un simple cube d'observation. Il faut savoir que si on veut une carte globale donc inversée donc avec les propriétés de la surface pour qu'on puisse l'utiliser ensuite pour remonter à la composition, il faudrait, avec cette technique-là, on s'amuse souvent à ces calculs-là avec les modèles directs et les techniques, les modèles directs lents et les techniques d'inversion plutôt classiques avec recherche de minima, eh bien, il faudrait plus de 10 ans pour faire une mosaïque globale de Titan. Pour faire la mosaïque globale, celle que je vous ai montrée au tout début, oui. Il faudrait plus de 10 ans pour la faire. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on a beaucoup travaillé, on a réfléchi et on s'est inspiré à ce qui se fait sur Terre. En fait, on fait des bibliothèques. Donc, le calcul lourd et lent et long, on le fait une fois pour toutes. Oui. Donc, on appelle ça des LUTs, c'est des lookup tables. Et après, on fait tout simplement de l'interpolation. Donc, on a une bibliothèque de spectres simulés pour un certain nombre de valeurs de paramètres libres qu'on a identifiés. On a fixé ce qu'on pensait être bien connu de l'atmosphère de Titan et on a fait varier, on a libéré les paramètres qui pouvaient varier avec la saison, qui pouvaient varier avec la latitude et qui pouvaient, sur lesquels on avait aussi d'autres sources de variations. Donc la surface, elle est inconnue, donc on l'a fait varier et c'est ce qu'on veut extraire. Et c'est surtout les aérosols, c'est les aérosols qu'on connaît le moins. Et on pense que c'est ceux qui sont le plus variables avec la dynamique atmosphérique, avec les saisons et avec la latitude. Et on crée des bibliothèques de modèles de référence. Donc ça, c'est assez long. Donc on calcule avec tout ça, on calcule presque 18 000 spectres en une seule fois. Ça prend un peu plus d'une semaine. Et après, on peut les utiliser pour inverser un spectre. Donc je vous disais, il fallait plusieurs minutes avec la méthode classique. Là, il ne faut plus que quelques fractions de secondes, évidemment, puisqu'on va chercher et interpoler dans juste une bibliothèque. 10 minutes pour un cube. Et finalement, pour une mosaïque régionale comme celle qu'on a exploitée pour notre étude équatoriale, il faut 4 heures. Donc, c'est tout à fait raisonnable. Si on fait une petite erreur, donc si on veut faire des tests, on peut les refaire. Et pour la mosaïque globale, que je vous ai montrée au tout début, c'est 5 jours. Donc, ça devient tout à fait raisonnable et tout à fait exploitable. Donc, voilà les techniques d'inversion qu'on utilise. Ah, c'est intéressant. Merci. Et c'est inspiré de ce qui se fait sur Terre avec des gros jeux de données très massifs et des modèles de transfert radiatif les plus précis possibles. Mais comme ils sont précis, ils sont lents. Ah, oui. Merci. Et ça marche assez bien. Bon, on est encore en phase de test. Ah, d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Ah, je vois Daniel Ries qui pose une question. Vas-y, Daniel, mets ton micro. Voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, très bien. Tout d'abord, merci pour ce séminaire très intéressant. C'était juste
question par rapport à la sonde Huygens. Elle s'est posée dans quel type de terrain? Ah, ben c'est là où c'est très intéressant. Je n'ai pas eu le temps d'en parler non plus, mais elle s'est posée exactement à l'équateur sur un des terrains qui nous intéresse. En tout cas, une transition très intéressante, puisque Huygens s'est posée, j'y reviens, c'est un peu rapide dans ma conclusion, mais c'était une de mes conclusions. Huygens s'est posé, vous avez une image de Huygens ici, donc une image prise depuis l'altitude. Et vous voyez cette colline brillante, là c'est dans l'infrarouge encore une fois. De toute façon, on peut voir la surface de Titan que dans l'infrarouge. Et incisée de ces fameuses rivières. Et Huygens s'est posé dans cette plaine ici. D'accord. Quand on regarde les propriétés de cette plaine dans l'infrarouge, elle est bleue. Quand on regarde les propriétés de cette colline dans l'infrarouge, c'est brillant. Et quand on regarde ces rivières, elles sont un tout petit peu bleues dans ces collines brillantes. Et là où Huygens s'est posé, dans cette plaine un peu bleue, eh bien voilà l'image de la surface de Huygens. En fait, ce que l'on voit, c'est l'atmosphère. Donc ça, c'est les images de Titan. Hein. C'est un peu émouvant d'ailleurs. Hein, en fait. Et on est à 1,4 milliard de kilomètres. Il y a une quinzaine d'années maintenant. Et Huygens qui a pris des photos, vous avez les couleurs réelles, quasiment réelles. La luminosité un tout petit peu exagérée. Et voilà l'atmosphère de Titan. Et puis, ce que vous voyez, ben, c'est des cailloux rebondis, comme si on s'était... Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Oh, hop, oh là là. Bon, le partage d'écran... Tu as départagé. Ouais, bon, je vais repartager. C'est pas grave. Hop, voilà, ça a sauté. Donc, ce que vous voyez ici... Je vous mets... Voilà. Hop. Un peu lent, désolé, parce que du coup, avec Zoom, ça prend pas mal de ressources. Voilà. Donc, si on regarde un peu plus en détail, l'image, eh bien, on voit des galets arrondis. Donc, on pense que ce sont des galets de glace d'eau recouverts un petit peu de ce sédiment atmosphérique, ce sédiment organique. Et c'est en tout point analogue, on voit à des lits de rivières asséchées ou alors à des deltas de rivières qui se déversent dans les plaines. Et c'est tout à fait cohérent, en fait, avec notre scénario. Donc, on pense que voilà, là, que Huygens se serait posé dans ce type de région. Vous voyez le Grand Bay ici, où l'on voit des cailloux ici, et puis avec sur le sol des sédiments plus fins, des sédiments organiques, et puis des cailloux composés de glace d'eau. À l'embouchure des rivières qui se déverseraient dans ces plaines. Exactement comme ce que l'on voit ici, un peu plus haut, dans les images d'altitude que Huygens a pris en altitude avant de se poser ici dans cette plaine. Donc, se poser à l'équateur, ça nous a aidé, ça nous a, justement, hein, toutes les observations nous ont aidé aussi à établir ce scénario et à comprendre l'origine de sédiments de toutes ces régions et notamment l'origine de sédiments qui a formé l'unité géologique majeure de l'équateur qui sont les dunes. Merci Sébastien. Est-ce qu'il y a encore des questions? On n'est pas aux pièces, hein. On a jusqu'au 11 mai a priori pour discuter. Et après d'ailleurs, pour ceux qui veulent. Bon, bah, s'il n'y en a pas, je vais te remercier. Je pense que vous pouvez tous mettre votre micro et puis on peut applaudir Sébastien éventuellement, hein, quand même, parce que c'était vraiment un beau séminaire. Donc merci beaucoup. Oui, on peut aussi lever les mains. Je ne sais pas comment on fait quand je suis animateur, mais on peut lever les mains pour les faire coucou. Mais bon, c'est pas grave. Donc, merci beaucoup, Sébastien. Et puis, merci à tous. Voilà, tes coordonnées sont disponibles. Si les gens veulent poursuivre la discussion, moi, je le ferai personnellement. Mais... Moi, je peux rester un petit moment, hein, si vous voulez. Eh bien, absolument. Si des gens veulent continuer à discuter, c'est tout à fait possible. Et sinon, ben, à bientôt à tout le monde. Au revoir et merci.